très heureuse de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre l'émission Magazine Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des produits amaigrissants. Avec nos quatre invités sur ces plateaux, nous allons entrer en profondeur pour savoir les avantages, les inconvénients et les conséquences de ces produits amaigrissants. Je suis avec Mireille Kombo. Bonjour Mireille Kombo. Bonjour Toto. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons quatre invités. Premièrement, nous avons Madame Mimi Moussa. Bonjour Madame Mimi. Bonjour. Merci. Nous avons encore Madame Katal Gisèle. Bonjour Madame Katal. Bonjour Madame. Nous avons encore également Madame Francisco Dominguez. Bonjour, bonjour Madame Francisco. Bonjour à tous. Et enfin, nous avons Madame Rita Kabea. Bonjour, bonjour à toi aussi. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons tout droit dans nos questions actuellement. Être mince et contrôler son poids demeure une nécessité car une forte masse conduit souvent à l'obésité et source de beaucoup de maladies. À quel remède pourriez-vous, madame? Alors, j'aimerais revenir un petit peu avant de parler des remèdes, voir à quel point l'obésité, le surpoids, c'est un problème de santé publique. Okay. En vous donnant quelques chiffres, ce sont des chiffres qui viennent de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, qui a classé l'obésité comme étant une des urgences, hein, un des chantiers urgents sur lesquels nous devons intervenir. Donc moi j'interviens en tant qu'infirmière, en tant que formatrice en école d'infirmières pour la santé et le bien-être, et en tant que présidente d'une structure, une société qui s'appelle Ardis International, qui est une société de bien-être général. Donc quelques chiffres, je disais, 1,4 milliard de personnes dans le monde souffrent de surpoids. 1,4 milliard, c'est énorme. Et à l'échelle mondiale, on se rend compte que depuis 1980, le cas d'obésité a doublé. Et on se rend compte surtout qu'il y a des solutions. Donc nous, on vient pour montrer quelles sont les solutions. C'est une solution parmi tant d'autres. Mais ce qui est intéressant dans la solution Ardis, c'est une solution sans danger. On déploiera l'argumentaire tout à l'heure si vous avez des questions par rapport à ça. Ce sont des gaines amincissantes, amaigrissantes, qui ont l'avantage déjà de vous permettre, dès que vous les mettez, d'avoir une silhouette remodelée. Et au long cours, vous perdez du poids en réel. Bon, avant d'aller un peu loin. Oui, dites-moi. Permettez-moi aussi de poser une question, de bien savoir sûr. C'est dû à quoi. Parce que tout à l'heure, tu viens de dire que non, il y a l'obésité prend de l'ampleur. Tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir c'est dû à quoi. Est-ce que vous avez quand même des explications à nous donner pour que nous puissions savoir pourquoi ça vient et pourquoi ça continue à le taux est élevé? Je pense que les causes sont diverses. Une des causes importantes, c'est la malnutrition ou alors peut-être le manque de connaissances en termes d'hygiène alimentaire et d'équilibre alimentaire. Beaucoup de gens font des régimes et ils finissent par faire des régimes à vie. Or, moi, ce que je vais vous dire au jour d'aujourd'hui, ça va paraître peut-être paradoxal. Pour maigrir, il faut manger. Et il faut bien manger. C'est vraiment des choses de base. Bien manger en famille, en étant assis. Le rythme européen, par exemple, on mange debout, on court avec un sandwich à la main, ça fait grossir. Prendre le temps de manger un peu de tout. Il y en a qui se disent, il ne faut pas manger le foufou, ça fait grossir. Non, il faut manger un peu de tout, c'est-à-dire un peu de féculents, il faut un peu de glucides. Alors, il faut nous préciser l'heure qu'il faut arrêter de manger. Ce qui est important, surtout de savoir, bon, l'heure, ça peut être important, ça va dépendre du rythme de chacun. Moi, je peux manger à 20h, mais si j'ai un rythme de travail de nuit, ça ne pose pas un problème. Par contre, il faut manger tôt par rapport à son heure de coucher. Si vous vous couchez tôt, vaut mieux manger, moi, je dirais, limite 18h. Mais les réalités de la vie sont autres. La personne qui rentre du bureau à 20h, vous ne pouvez pas lui fixer l'heure limite pour s'alimenter à 18h. Donc il s'agit vraiment de trouver l'équilibre alimentaire. Et ce qui fait grossir, ce n'est pas tant le fait de manger, c'est le fait de grignoter entre les repas.
il faut manger, pour ceux qui peuvent se le permettre, 3 repas par jour, en commençant par le repas le plus important de la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner. Un petit déjeuner bien équilibré avec une boisson chaude, de céréales ou pain, un fruit. Voilà, en gros, il faut un produit laitier, il faut une céréale ou du pain. Je dis toujours pour les personnes qui peuvent se le permettre parce qu'on se rend compte des fois Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là de nous amener des cannes? Ben, j'ai eu l'idée là provient d'où? Alors, l'idée provient du fait que moi, en tant qu'infirmière, déjà, je suis sensibilisée par rapport à tout ce qui est obésité. Je suis sensibilisée par les chiffres, c'est pour moi une alerte. Hein. On se doit, ça fait partie de nos fonctions, de prévenir les risques, notamment les risques cardiovasculaires qui peuvent être liés donc, à l'obésité également. Donc pour moi, pourquoi j'ai eu besoin de vous l'emmener, c'est parce que moi-même je l'ai testé. L'année dernière, je faisais une taille 46, j'ai testé cette gaine, je l'ai mise sur moi, je suis passée de la taille 46 à 38, sans chirurgie, sans régime, sans pilule, rien qu'en portant cette gaine. Donc je me suis dit non. Au début, je n'y ai même pas cru, pourtant ça se passait dans mon corps. J'ai appelé ma voisine, je lui ai dit non, je te mets dans cette gaine, je vais voir si toi aussi tu maigris. Elle aussi, elle a maigri. Donc je me suis dit, mais on a trouvé la solution. En France, il y a même un chirurgien qui traite de l'obésité, qui utilise ce type de procédé. Il appelle ça le body... La gaine miracle. Madame, je viens à vous maintenant pour savoir, la gaine mesure combien de mètres? En fait, en termes de mesurage de mètres, la gaine n'a pas de mètres. Je vais vous montrer déjà l'exemple du modèle que nous avons. Merci, mes personnes. Déjà, avant c'est de... Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour avoir déjà la gaine, nous prenons d'abord des mesures parce que lorsque vous adhérez dans ce réseau, vous avez tous les outils qui vont vous permettre à travailler. Donc, nous avons un mètre ruban qui nous permet de prendre le contour de taille, le contour de thorax de la personne pour qu'on sache quelle gaine vous serez adapté. Et nous regardons aussi la stature de la personne pour vous conseiller la gaine que vous pouvez mettre. Vous allez constater que là, j'ai une gaine avec de long pied que nous appelons la body magique long. Cette gaine permettra aux femmes qui ont des grosses cuisses et qui ont des grosses cuisses, voilà, des grosses cuisses, des grosses mollets, parce que tout, lorsque la présidente vous parle qu'elle vient de la taille 48 à la taille 38, vous allez vous imaginer qu'elle avait des mollets, des grosses cuisses. Nous aimons beaucoup, nous aimons mieux quand même des mollets. Mais que les mollets diminuent encore. Oui, il faut que ça diminue parce que dans ce mollet, il y a plusieurs choses aussi qui sont incarnées. Il y a la graisse, il y a tout. Avec la gaine, ça va vous permettre, si vous regardez même la fibre, avec la gaine, ça va vous permettre déjà à faire partir tous les mauvais résidus qui sont dans votre cuisse parce que le corps prend, vous prenez du poids, la graisse va partout. Vos mollets vont diminuer, les cuisses aussi au niveau de cuisses, vous allez perdre. Et non seulement vous perdez, ça vous lisse aussi les cuisses. Et vous allez perdre au niveau de la taille, vous allez perdre aussi votre abdomen. Donc ça va bien vous remodeler, ça va vous donner vraiment la posture qu'il vous faut. Et en termes de centimètres, vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de mettre votre gaine, vous perdez des tailles de jour au jour. Moi, si j'ai adhéré à Ardis, j'ai accepté de venir dans ces réseaux parce que j'avais aussi un gros ventre. Je mettais du 44. Quand je prenais du poids, j'allais de 44-46. Mais quand je maigrissais avec des régimes qu'on faisait, le docteur Miracle, le docteur Etcher, et le thé vert, le thé chinois, et ainsi machin, il faut prendre la salade. Pendant l'été, tu t'es privé de beaucoup de choses. Et j'ai passé à 42. Et je m'ai limité par là. Jamais je suis passée à 40. Aujourd'hui, lorsque je mets ma gaine, je peux mettre même du 38. Et je me suis vue avec la présence de le témoignage de ma marraine, alors j'étais vraiment séduite. Je me suis dit, pour rien au monde, je vais lâcher cette affaire. Et j'ai essayé. C'était comme une blague. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis fan, je suis amoureuse de cette gaine. Et je porte comme je suis gainée là. Et je suis fière du résultat que la gaine est en train d'apporter. Amoureuse. Vraiment amoureuse. Je vous assure. Amoureuse. Alors j'ai dit, cette gaine-là était structurée. La structure de la gaine, c'est la fibre. La fibre s'appelle le PowerNet. Ce sont des fibres nouvelle génération. On appelle ça les fibres intelligentes.
on n'est plus aux anciens modèles des gaines, parce que les gaines, on n'a rien inventé. Les gaines existaient au temps de Marie-Antoinette, tout ça. Elles portaient des corsets, mais elles allaient jusqu'à suffoquer tellement ça serrait. Alors que là, ce sont des fibres vraiment, c'est assez aéré. Le power net, c'est constitué de polyester, d'élastane, de lycra, de coton pour le confort et puis secret de fabrication pour le reste. Hein. Faudra pas qu'on aille nous le fabriquer. Mais on dit souvent que ça détruit les ventres. Alors si nous portons ça, alors nos ventres ne seront pas détruits. Au contraire, vous savez, les coachs, quand on fait du sport en salle, les coachs sportifs vous parlent de gainage. Il y a un exercice qu'on appelle le gainage, c'est-à-dire on serre. Même quand la femme vient d'accoucher, le kiné lui apprend à contenir sa respiration, serrer le bas-ventre, serrer le périnée pour bien retonifier les muscles. Cette gaine permet de serrer, d'avoir cet exercice de gainage. Après, il ne faut pas, faut pas la mettre le soir non plus pour que le tissu ne devienne pas fainéant non plus. Il faut bien préciser, il ne faut pas les mettre le soir parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas mieux et bien utiliser à n'importe quel moment, ça pose problème. Et alors là, ça sera mal interprété. Alors, il faut bien préciser, il faut porter ça à quelle heure, précisément. On porte ça le matin après ça. Je dis toujours entre deux douches. Après la douche du matin, et on l'enlève avant la douche du soir. On la porte toute la journée. On la porte pas la nuit, on ne dort pas avec, pour permettre quand même aux muscles de se détendre, puisque comme je vous dis, ça vous fait comme un exercice de gainage. Mais il faut ça avoir maintient. Ça combien? Parce que je vous dis que le matin et le soir, il faut avoir ça combien? Alors, moi je conseille toujours d'en avoir deux. Deux comme ça pendant que l'autre est au lavage, mais bon, ici il y a le soleil, ça sèche assez rapidement. Vous l'entretenez simplement à l'eau et au savon comme des sous-vêtements classiques. Mais la fibre va vous permettre d'avoir une compression et c'est cette compression qui va vous aider à faire fondre la graisse. Tout à l'heure, je passe la parole à ma consoeur, mais elle me répond. Madame Moupoussa, c'est un peu Moupoussa. Moupoussa. Madame Moupoussa, c'est un peu complexe quand on voit une combinaison réduire le poids. Ça se passe comment? Comment ça parvient à dégraisser la gaine? C'est assez simple. L'estomac, ça a une structure élastique. Du fait de la compression, l'estomac va se rétracter. L'estomac prend la place qu'on lui donne. Si on lui donne beaucoup de place, comme la femme enceinte, il s'étale, il prend de la place. Si on lui donne moins de place, il se rétracte, il prend moins de place. Et du coup, le calibre de l'estomac pour contenir la nourriture va diminuer. Comme quand on fait un anneau gastrique. L'estomac diminue et du fait de cette diminution, on va manger moins obligatoirement. On a faim quand l'estomac est vide. Là, votre estomac, vous allez pouvoir le remplir avec moins de nourriture. Mangeant moins, vous maigrissez, si par ailleurs, vous maintenez le même niveau d'activité. Deuxième façon que ça doit vous faire maigrir, les hommes préhistoriques, ils frottaient des pierres pour avoir de la chaleur, pour avoir du feu. Là, le fait de la compression et du mouvement dans la journée, les cellules de l'organisme vont s'entrechoquer. Ils se frottent. Il va avoir un dégagement de chaleur discret. C'est pas que je vais transpirer. On a une gamme de gaines d'hypersudation pour faire le sport. Mais là, avec cette gaine, je ne vais pas transpirer. Là, je suis à Kinshasa. Il fait chaud, mais ma peau est sèche alors que je suis gainée. Du fait du frottement, il va avoir une augmentation en douceur de la chaleur interne. Et c'est cette chaleur, c'est pour ça qu'on insiste pour que la gaine soit mise tous les jours, tout le temps. Parce que la graisse, elle ne va pas fondre tout de suite, ce n'est pas de la magie. Vous mettez cette gaine tous les jours, la graisse, elle fond au fur et à mesure. Au fur et à mesure, après, une fois que tout est liquide, c'est pour ça que certaines personnes appellent « Oui, mais je maigris en combien de temps ?» Il faut laisser autant de la graisse de fondre, parce qu'elle ne va pas sortir en gros morceaux. Elle fond, et après, du fait de la fonte, ça va être drainé, prise en charge par le système lymphatique et éliminé naturellement. De façon, pas de conséquences au niveau de l'estomac. Est-ce que ma sœur t'a eu des conséquences au niveau de l'estomac? Moi, j'ai mangé beaucoup. Je précise que je suis maman, ma passe à deux fois. J'ai porté deux grossesses gemellaires avec à la fin 130 kilos. Vous imaginez l'estomac, l'ampleur, la taille. Avec la gaine, elle régule l'appétit en fait. Le fait de compresser, mon estomac réduit. Le fait de manger moins, d'apporter moins d'aliments, ben mon estomac, c'est un muscle en fait qu'on réduit hein, comme un autre muscle. Il n'y a pas de problème, puisque le corps n'a pas besoin d'une grosse quantité pour vivre en fait.
elle a besoin de vitamines. On va prendre les nécessaires en fait. D'où l'importance d'équilibrer son alimentation. L'assiette, elle doit être divisée en trois. Moi, je prends toujours mon assiette, je divise en deux. Un côté, j'ai les légumes. J'aime le pondou, le foumbois, mais il faut doser juste l'huile. De l'autre côté, je divise encore en deux. J'ai des féculents, ça peut être des bananes plantains, ça peut être du riz, ça peut être de manioc. Et de l'autre côté, j'ai des protéines, du poisson, de la viande. Donc, une assiette en trois. On a l'habitude de manger une grosse assiette. On met du riz. Mais tout, tout. On fait montagne. Tout, tout, et ça fait une montagne. Du coup, l'estomac, ben, lui, quelque part, le corps, en fait, elle garde hein, tout ce qu'on mange, en fait. Parce que, comme elle a dit, le fait de faire trop de régimes, le corps, il se dit quelque part, on va me priver. Notre corps est intelligent, en fait. Elle garde quelque chose en mémoire. Quand on les prive, quand on arrête de manger, elle commence à sortir. C'est une prévention que le corps lui-même fait. Donc, c'est manger bien équilibré. Manger de tout. Nous, on vous dit manger de tout. Il n'y a pas de problème pour l'estomac. Justement, notre estomac, elle va être intelligent. Même sans ma gaine, mon corps est habitué à cette quantité. Quand j'arrive à saturation, mon corps me le dit. Et j'arrête. Donc l'estomac, il n'y a pas de souci. Au contraire, trop d'aliments, c'est là où les problèmes pour justement l'estomac. Maintenant, pour la population, comment on arrive à perdre 3 tailles en 10 minutes? Ça se passe comment? Ah, ça j'aime cette question. J'attendais cette question. 3 tailles en 10 minutes. Oui. Il aurait fallu qu'on ait un mannequin, hein, vraiment, qu'on l'envoie avant. C'est ce qui nous manque. Et après, en 10 minutes. Simplement. Les images viendront. En 10 minutes chrono, nous on appelle ça une chirurgie esthétique, sans anesthésie, sans bistouri et à moindre coût, en 10 minutes. Vous avez déjà vu ça? Moi pas. Et pourtant je travaille 6 ans en tant que secrétaire médicale en chirurgie esthétique. C'est toute la journée pour obtenir ces résultats, mais nous on vous le donne en 10 minutes. N'est-ce pas merveilleux? Justement, le rendez-vous. Le rendez-vous avec notre... Il y aura cette démonstration. Démonstration. Vous êtes une nouvelle adhérente. Qu'est-ce qui vous a poussé de s'adhérer dans le groupe Ardis? Okay. Et pourquoi? Okay. Merci pour la question. Le groupe Ardis, pourquoi j'ai adhéré? Parce qu'en tant que femme, on fait attention toutes à notre lit, à notre apparence. Et on a un sérieux problème d'obésité en RDC. Et quand j'ai sauté sur l'occasion, quand j'ai vu que la gaine Ardis était en train de mouler, j'ai vu la présidente avant et après, j'ai vu Domingaz, donc j'étais vraiment éblouie et j'ai, comme ça sculpte, alors j'ai sauté sur l'occasion. Et deuxièmement, c'est un partenariat d'affaires parce que tu gagnes sur toutes les ventes que tu fais. Donc c'est une occasion que j'invite, c'est une occasion que je lance et puis j'invite à toutes les femmes qui sont entreprenantes, qui veulent gagner de l'argent, maximiser vos revenus, venez à la Halle de la Gombe, samedi. Maison de France. Maison de France, de 14h à 18h, n'hésitez pas. La gaine, oui. Elle est différente à une personne qui est soumise au régime. Oui, elle est différente. Elle est différente parce que je dis la gaine, comme le slogan, perdez maigrir sans régime et vous sans perdez en 10 minutes. Le régime, le sport, c'est pas évident. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Déjà, tu travailles jusque tard. Aller courir dans une salle de sport, il faut des frais en plus. Donc, il y a le temps en même temps. Et en plus, il faudrait choisir ce qu'il faudrait manger ou ce qu'il ne faudrait pas manger. Là, c'est compliqué personnellement. Par contre, avec Ardis, tu mets ta gaine, tu perds 3 tailles en 10 minutes et c'est bon. Donc c'est ça la différence. Il n'y a pas trop d'exercices à faire tout un mois. Mais moi, j'aimerais vraiment... Parce qu'on n'a pas assez de temps. D'accord. Je vous accorde une question plus longtemps. D'accord. Je vais juste rajouter par rapport au régime, par rapport au sport. Cela n'empêche pas d'avoir une activité sportive. Mais ça, c'est justement, c'est important. Mm-hmm. Moi, je mets ma gaine pendant mon sport parce qu'on a une gamme des gaines, des suds d'action qui se portent que 4 heures. Donc, elle vous fait transpirer, elle brûle davantage de graisse. Tu es en Europe? Je suis en Europe, oui. Ici, à Kinshasa, la population n'est pas tellement habituée à des sports. Alors, quel conseil? On a le fleuve. Quel conseil des... On peut marcher. On n'a pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport. 30 minutes par jour, c'est suffisant. On peut aller marcher. On prend ses enfants. Une demi-heure, 45 minutes, la marche. Les corps, elles brûlent. On n'a pas besoin d'aller s'inscrire, ça coûte cher. Mm-hmm. On met des chaussures, la nature, elle est belle, notre pays.
profitons de cette nature pour marcher, s'aérer. Et on profite, on fait du sport en même temps. Avec sa gaine, ça frotte et on élimine. Mireille. Pour ajouter un peu ce que Madame Dominguez a dit, nous sommes ici en République démocratique du Congo et nous expérimentons la gaine. Déjà avec cette chaleur et le travail que nous sommes en train de faire, nous bougeons souvent. Vous voyez, même si vous êtes dans un bureau et vous devez faire des déplacements, monter des marches, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que beaucoup de femmes refusent de porter cette gaine? Vous, vraiment, vous avez intérêt de la parce que elles ont raison de refuser de porter ces gaines-là. Je dis qu'elles ont raison parce que ce n'est pas hardis. Ça n'a pas le même effet. Okay. On a jeté plusieurs gaines. Ça nous apporte quelque chose de nouveau. Ça, il n'y a rien à dire. Excellence. On ne peut même pas discuter. Ça, c'est l'excellence parfaite. Lorsqu'elles vont se gainer, lorsqu'on dit en 10 minutes, vous perdez 3 tailles, cela veut dire lorsque vous êtes gainé, le temps de mettre votre gaine peut vous prendre 10 minutes. Et à partir de ce moment-là, vous perdez à l'instant les 2 ou 3 tailles. Je voudrais préciser une chose. Lorsque vous allez enlever votre gaine, vous retrouverez votre posture normale. Mais la présidente vient de dire qu'il faut la mettre tous les jours pour avoir des effets. Non, déjà à partir d'une semaine. Mais dire que non, les blancs n'aiment pas se remettre au monde. Vous, vous amenez encore ce système-là ici à République démocratique du Congo où les gens aiment me mettre au monde. Ah, justement. Oui. Nous aimons être mettre au monde également. Nous sommes mères de familles nombreuses c'est ça. C'est ça que nous devons vous demander de rassurer au moins cette population. Il faut que les gens soient rassurés. Combien, toi? Qu'elles soient vraiment rassurées. Moi, j'ai 3 enfants. Moi, j'en ai 5. Oulala. Moi, j'en ai 4. Deux fois, maman. Ok. Voilà. Si. Je reviens à vous, Madame Dominguez. Oui. Nous avons vu des cas de chirurgie esthétique échouée. Ah, mais ça, la gaine, elle peut avoir aussi des conséquences lointaines, comme des cancers. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de cancer puisqu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il y a des gaines qui existent en Europe où ils mettent des matières qui vous aident à brûler. Là, c'est un tissu. Ça veut dire que le coton qu'on porte tous les jours, nos jolies pagnes en wax, c'est fait à base de coton. C'est un tissu qui a été travaillé, étudié pour ça. Il n'y a pas de conséquences. C'est vraiment un produit, on pourra fournir des documents. Mais Madame Dominguez, il s'est fait que la population posera la question de savoir, il n'y a pas de chimie là-bas, mais comment ça arrive à maigrir la personne? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'estomac, c'est une structure. Bon, on va revenir dessus. Si tu mets de l'huile au feu, qu'est-ce qui se passe? Ça fond. Du beurre, par exemple. Si tu mets du beurre au feu, ça fond. C'est tout. Avec la gaine, c'est la même chose. Du fait de la compression, on bouge, les cellules se frottent. Ça fait un dégagement de chaleur. Et c'est cette chaleur, mise en permanence avec la graisse de l'organisme, qui va permettre la fonte de la graisse. Et une fois que la graisse est fondue, c'est drainé, éliminé naturellement. Et la deuxième chose, du fait de la compression, l'estomac se rétracte, on mange moins. Et il n'y a aucun danger. Je peux vous demander, est-ce que le t-shirt que j'ai mis aujourd'hui peut me donner un cancer? C'est cette question que je pose, parce que c'est quasiment la même composition. Il y a un peu de polyester, il y a un peu de conto pour la douceur, et puis d'autres fibres, mais dont on ne peut pas révéler toute la structure pour éviter qu'on refasse les limitations. Parce qu'on peut se poser la question, il y a un médicament dedans? Il n'y a absolument aucun médicament. Juste une chose par rapport au ventre. Il y a des femmes qui sont minces. Moi, je voudrais aussi dire aux jeunes femmes, parce qu'il y a du taille 34, 36, 38. Il y a des femmes, elles sont minces, mais elles ont du ventre. Le ventre, c'est parfois les ballonnements. Mais cette gaine, elle permet justement de déballonner, en fait. Des fois, le ventre, là, ce n'est pas spécialement de la graisse. C'est du vent. Parfois, il y a des femmes qui ont une césarienne. Quand ils ont mal fermé à la cicatrice, il y a l'air qui rentre, ça gonfle les intestins. Donc, elle fait vraiment le travail qu'il faut intérieur, extérieurement. Mais puis, sans danger. Et puis, pour les femmes qui viennent d'accoucher, on a une gaine de postpartum. Ça permet aux femmes de repositionner les organes naturels rapidement. L'utérus se remet en place et l'évacuation du sang se fait plus facilement. Et cette gaine est recommandée juste après l'accouchement, s'il y a eu un accouchement par voie naturelle. Et il y a d'autres gaines qui permettent un bon maintien pendant la grossesse. Moi, même, un maintien du dos, un soutien. Parce que quand on est enceinte, souvent, on a même tendance à se mettre comme ça, alors que cette gaine va vous permettre d'avoir une posture ergonomique qui respecte l'alignement naturel du squelette.
souvent on a mal dans le dos parce que cette gaine a cet avantage également de lutter contre des douleurs dans le dos et encore un problème de santé publique. Donc moi vraiment je me concentre et effectivement c'est un grand business, donc une opportunité d'affaires pour mes compatriotes, mais c'est également une belle opportunité en termes de santé publique. C'est pourquoi on se concentre là-dessus et au niveau esthétique, okay, n'en parlons pas. Un mot de la fin, on a parlé tout à l'heure de démonstration. Moi, je vous invite pour la démonstration en direct. Ça sera avec notre artiste Kissinjora que l'on va gainer en direct. Vous allez pouvoir constater avant et après. Comme ça, on va pouvoir répondre concrètement à la question comment on perd 3 tailles en 10 minutes. Donc ça va se passer samedi, hein, 20 décembre, à la Maison de France. Donc si vous voulez nous joindre, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Ardis France Excellence, mon profil Facebook Mimi Mumpusa, mon numéro de téléphone en France 00 336 61 79 16 56, le numéro RDC 00 85 90 28 697. L'équipe Ardis RDC sur place également vous répondra au 085 90 28 697. Pour joindre Domingas, vous ferez le 06 21 59 67 96. Nous avons dédié cette émission à la population congolaise et puis la population du Bas-Congo qui nous suivent de loin et de près, à la famille Mudiata et la famille Kilosho qui nous suivent aussi de près et de loin, ainsi que Annie Mikanda. Au revoir, à la prochaine.